Bonjour à toutes et bienvenue dans ce live organisé par le magazine Elle en association avec AXA. Pendant les 40 prochaines minutes, on va parler finances et investissements responsables avec des expertes et des invités qui nous rejoindront tout au long de ce live pour partager leur expérience d'entrepreneurs responsables. Avec nos deux invités présentes ici aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions concernant la meilleure manière de gérer votre argent ou la meilleure stratégie d'investissement à adopter pour faire fructifier votre épargne, tout en prenant soin de la planète. Pour parler de tout ça, je vais d'abord vous présenter mes deux invités, Fanny Picard. Bonjour Marie-Stéphanie. Bonjour Fanny, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Fanny, vous êtes fondatrice d'Alter Equity, le premier fonds d'investissement français responsable qui propose un modèle d'investissement soutenant les entreprises dont l'activité répond à un enjeu social ou environnemental majeur. Et ma seconde invitée est Elisabeth de Rotalier. Bonjour. Bonjour Marie-Stéphanie. Elisabeth, vous êtes agent prévoyance et patrimoine AXA France et vous nous apporterez non seulement bien sûr votre parcours, mais aussi votre regard de spécialiste sur les aspects un peu plus techniques de l'investissement. Très et puis bien. Tout au long de cet échange, nous recevrons la visite en duplex de trois femmes, Charlotte Husson, Alice Zaguri et Émilie Vilquez, qui sont toutes les trois chefs d'entreprise responsables et qui partageront avec nous leur expérience et qui nous présenteront leurs projets. Enfin, sachez qu'un temps d'échange sera consacré à la fin de ce live, mais n'hésitez pas tout au long du live à poser vos questions en commentaire et nous les prendrons pour essayer d'y répondre au mieux avec nos deux expertes à la fin de ce live. Pour débuter, on va tout de suite rejoindre Charlotte Husson, qui est en duplex. Charlotte Husson est la fondatrice de Mister K, une marque de vêtements engagés et solidaires. Bonjour Charlotte Husson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Charlotte, donc je le disais, vous êtes la fondatrice de Mister K. Dites-nous rapidement qu'est-ce que c'est Mister K et pourquoi vous avez eu envie de fonder cette marque? Alors, Mister K, c'est un vestiaire engagé. Notre mission est de produire juste ce qu'il faut et surtout comme il faut pour ne pas envahir la planète de stock inutilement. J'ai décidé de monter cette marque parce que j'ai une histoire personnelle assez singulière et qui explique surtout pourquoi j'ai décidé de lancer un vestiaire engagé. J'étais styliste de formation et la vie a semé sur mon parcours pas mal d'embûches. Et c'est comme ça que je voulais donner du sens à une histoire. J'ai eu un cancer à 27 ans et je suis devenue entrepreneur après une histoire de vie, voilà, comme celle-ci. Et donc, Mister K, je l'ai dit, c'est un vestiaire responsable. Qu'est-ce que ça veut dire un vestiaire responsable au juste? Alors, investir responsable, on a différents volets d'engagement. Donc, le premier, c'est dans notre sourcing et dans notre confection. On produit donc juste ce qu'il faut et surtout comme il faut avec des matières uniquement certifiées et un système surtout de production à la demande où on fait de la réservation tous les mois, où on produit un vestiaire qu'on propose à nos clients, donc à la demande en précommande et on produit en fonction uniquement des commandes qui ont été reçues, donc vraiment au plus juste pour ne pas surproduire. Et notre engagement historique, mais pas sur les réservations, uniquement sur ce qu'on aura donc en seconde chance chez nous, on reverse 5% à la recherche contre le cancer sur chacune de nos ventes des secondes chances et de nos iconiques. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est l'investissement, la finance. Est-ce qu'avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous étiez à l'aise avec toutes ces questions-là, notamment les questions financières? Alors, pas loin du monde parce que je suis donc styliste de formation et j'avais pas du tout eu de formation plus business oriented, on va dire. Je l'ai appris un peu sur le tas. Donc, j'ai heureusement un bon sens épicier et paysan, comme je le dis souvent. Et je suis très bien conseillée grâce au réseau Entreprendre aujourd'hui, à mon mentor Anne-Laure Constanza qui m'accompagne depuis 2 ans maintenant. Mais c'est vrai que c'était pas du tout évident quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai mis un peu de temps à comprendre tous les aspects à force de probablement me tromper. J'ai appris beaucoup. Et justement, sur la question financière, comment est-ce que vous avez procédé pour vous lancer? Est-ce que vous êtes allé, enfin, comment est-ce que vous êtes allé chercher des fonds? Alors, à cause de mon histoire personnelle, c'est vrai que enfin, en tout cas, les emprunts bancaires, ce n'était pas la chose la plus facile dès le début. Donc, j'ai fait une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank à l'époque, donc pour ma première startup qui s'appelait Fighting Kit. Et depuis Fighting Kit, on est autofinancé. Donc, mon modèle a changé. Maintenant, j'ai monté une boîte qui s'appelle Mister K, donc qui est un investisseur engagé. Et depuis 2019, grâce, je pense, au réseau Entreprendre et à tout l'accompagnement qu'on a eu, donc plus business, on est accompagné donc par la BNP et par la HSBC en prêt bancaire. Et on a eu le PGE l'an passé,
avec le Covid. D'accord. Et est-ce que vous avez eu le sentiment qu'en tant que femme, c'était plus difficile d'aborder toutes ces questions financières, ou pas forcément? Je trouve pas tellement que ce soit en tant que femme, alors moi en l'occurrence dans mon parcours, c'est plus en tant qu'ancienne malade, le droit à l'oubli, le problème, plus que d'être une femme. En l'occurrence, je trouve que les banques ont été plutôt. Enfin, aujourd'hui en tout cas, et la BNP, on est très très bien accompagnés. Ils sont très modernes justement sur la question des femmes. Alors peut-être que j'ai choisi la bonne banque et que le réseau Entreprendre nous a bien orientés. J'ai peut-être beaucoup de chance. Mais au contraire, je les trouve plutôt aguerris sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat au féminin. Et non, je suis plutôt satisfaite et assez agréablement surprise, pardon. Et alors, dernière question, du coup, quels sont vos projets de développement pour Mister K là, dans les mois ou dans les années à venir? Alors comme je vous le disais, depuis 2015, on est autofinancé. Là, je pense qu'on est peut-être arrivé à la limite si je veux continuer à grandir avec les ambitions que j'ai aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir se poser des questions de financement autres que des prêts dans un avenir assez proche. Tout simplement parce que j'ai envie que la croissance aille un peu plus vite que ce que j'avais imaginé et qu'on prend goût à l'ambition quand ça fonctionne et qu'on fait les choses bien. Donc j'aimerais activer d'autres leviers à partir de maintenant. D'accord, très bien. Merci beaucoup Charlotte Husson. Donc je le rappelle, vous êtes la fondatrice de Mister K. Si on veut vous retrouver, on tape Mister K dans n'importe quel moteur de recherche et votre nom également, Charlotte Husson. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt. Au revoir, merci. Donc de retour en plateau pour cette première partie d'échange avec vous deux, Fanny Picard et Elisabeth de Rotalier. J'aimerais avant tout revenir sur votre parcours, Fanny, puisque vous avez lancé le premier fonds d'investissement responsable, donc Alter Equity, comme je le disais dans la présentation. Vous avez mis, il me semble, 7 ans à lever ce fonds. Est-ce que ça a été compliqué pour vous en tant que femme et entrepreneur dans ce secteur-là? Oui, alors pour être précise, nous avons lancé le premier fonds d'investissement responsable dans le non coté sur un modèle PPP, People Planet Profit, soutenant l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale et en recherchant un rendement pour nos souscripteurs de nature à rémunérer le risque qu'ils prenaient en investissant dans notre fonds. Est-ce que en tant que femme, l'exercice a été plus difficile? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile d'y répondre et en réalité, je ne suis pas capable de vous répondre. Je vais faire une parabole. C'est que une étude récente conduite par le BCG, le cabinet de conseil BCG et le groupe Sista, qui étudie beaucoup le sujet de la place des femmes dans les startups, l'entrepreneuriat et l'investissement non coté, a abouti au résultat que moins de 5% des entreprises financées par des fonds d'investissement sont dirigées par des femmes et environ 8% sont dirigées par des équipes mixtes. Et s'agissant des entreprises dirigées par des femmes, en moyenne, elles ne lèvent que 43%, disons 40% en arrondissant, des montants qui sont levés par des startups dirigées par des hommes. Donc, le système est globalement très discriminant. Pour quelles raisons? Est-ce que les femmes s'auto-limitent et sont moins nombreuses à entreprendre? Ou bien est-ce que les dirigeants de fonds ont plus de mal à investir dans des entreprises dirigées par des femmes? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas le dire et personne ne m'a dit dans le cadre de la levée que puisque j'étais une femme, on n'investirait pas chez moi. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Mais en tout cas, c'est vrai que les chiffres que vous venez d'évoquer sont assez marquants quand même et c'est du coup d'autant plus remarquable de voir votre parcours. Et moi, j'ai une question du coup. Est-ce que vous avez eu, au moment de vous lancer, besoin d'un investissement de départ, besoin peut-être d'un capital de départ? Comment est-ce que vous vous êtes lancé? J'ai commencé ma vie professionnelle sans capital personnel et j'ai pu économiser. D'ailleurs, c'était un des objectifs que j'ai eu en commençant ma vie professionnelle. Donc, j'avais constitué un tout petit peu de réserve que j'ai pas mal entamée pour construire le projet. D'accord. Et autre question que je me posais, vous avez une formation en finance. Vous avez fait une école de commerce, c'est ça? Oui, je Est-ce suis que diplômée de l'ESSEC. Oui. cette formation, est-ce qu'elle vous a été utile au moment d'entreprendre ou alors même voilà, au moment de placer peut-être votre épargne personnelle? Est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout? Alors, moi, je suis très formée en finance parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans les fusions et acquisitions
chez Rothschild & Co, qui est une structure très active sur le métier des fusions et acquisitions, donc les grandes opérations de rapprochement d'entreprises. Et à l'époque, la banque m'avait envoyé suivre les formations de la Société française des analystes financiers, donc qui est la formation probablement la plus aboutie en finance. Donc je suis très formée en matière financière, et puis j'ai une pratique. Mais c'est une pratique, ça n'est pas la pratique de la finance de marché, c'est une pratique de la finance, on va dire, d'entreprise et d'analyse financière et d'évaluation. Oui, ça m'a beaucoup aidé, a fortiori dans le métier d'investisseur. Il est tout à fait nécessaire de maîtriser les dynamiques financières. Donc ça vous a été utile au niveau professionnel. En tout cas, pour ce qui est de la finance du quotidien, on peut pas forcément dire que ce type de formation, ça apporte vraiment les clés dont on va parler aujourd'hui. Non. Et d'ailleurs, à l'époque où je me formais, on n'en parlait pas du tout. Je pense que investir son patrimoine, c'est extrêmement technique. Et moi, je fais partie des gens qui, ayant compris la technicité de la chose, le confient à d'autres. Il faut être au quotidien sur les marchés, comprendre les évolutions. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de le faire soi-même, sauf de façon tout à fait exceptionnelle. Le confier à d'autres, donc à des personnes qui sont peut-être qualifiées pour ça, ou dont c'est le métier en tout cas. Oui. Alors on reparlera plus en détail tout à l'heure, Fanny Picard, de Alter Equity notamment, et de la finance responsable, l'investissement responsable. Mais c'est vrai qu'on a pu l'entendre en tout cas dans le témoignage qu'on a eu de la part de Charlotte Husson avant. Quand on est entrepreneur, on a souvent besoin d'une somme X ou Y pour se lancer, mais c'est aussi vrai en fait quand on a des projets de vie personnels, des projets familiaux. Il y a toujours besoin d'un investissement de départ, quel qu'il soit. Elisabeth de Rosalier, je me tourne vers vous, puisque vous, dans votre parcours, dans votre vie personnelle et du coup professionnelle, puisque les deux se sont rejointes à un moment donné, vous étiez, avant de devenir agent AXA, dans une situation spécifique, puisque vous aviez une épargne que vous étiez constituée, mais que vous ne saviez pas comment gérer, vous ne saviez pas quoi en faire, comment la traiter. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours, justement, et votre rapport à la finance, finalement? Oui. Alors, ce qui est amusant par rapport à Fanny, c'est que moi, je n'avais absolument aucune culture financière, mais vraiment niveau zéro. C'est-à-dire que dès que je me retrouvais devant un banquier qui me parlait technique, parce que les banquiers ou les gestionnaires de patrimoine parlent de façon très technique, je ne comprenais absolument rien. En fait, j'ai fait 25 ans d'agence de communication avant de faire ce métier. Ça fait 12 ans maintenant que je suis agent prévoyance et patrimoine. Et donc, pendant 25 ans, j'étais dans le métier de la communication. J'ai constitué une épargne parce qu'en fait, avec mon mari, on a monté une société qu'on a introduite en bourse. Donc, ça m'a permis de me faire un petit patrimoine. Et je dois dire que les conseils que j'ai suivis à l'époque des banquiers, où je vous confirme que je ne comprenais rien de ce qu'ils me disaient, ont été des catastrophes. C'est-à-dire que j'ai investi quand la bourse était au plus haut, parce qu'ils me disaient la bourse est très haute, il faut y aller. Donc, moi, j'y allais et je suis sortie au moment où c'était le plus bas, donc ce qu'il ne faut jamais faire. Mais enfin voilà, j'ai jamais eu aucune formation, et bien évidemment j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas, mais comme font malheureusement très souvent les personnes qui vont en bourse, hein, parce que quand on comprend le système financier, en effet, il faut plutôt agir à contre-courant de ce que l'on voit. Donc voilà, donc j'avais absolument pas cette formation, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée, comme mon mari était président de la société qu'on avait montée en bourse, et moi, en tant que DGA, je me suis retrouvée, comme étant sa femme, amenée à aller voir les banquiers, les gestionnaires de patrimoine, mais pas parce que j'avais un patrimoine, c'était parce que j'étais la femme d'eux. Donc on ne parlait pas vraiment. Hein. Et là, j'ai eu un petit peu un ras-le-bol de ce côté où je ne comprenais rien de ce qu'ils me racontaient, c'était très technique, de toujours me tromper. Et en discutant autour de moi, j'ai dit, mais est-ce qu'il n'existe pas des métiers où les personnes sont capables de vous parler finance, mais avec un langage simple, c'est-à-dire un langage que je puisse comprendre. Voilà. Et très souvent, les clients que je vois aujourd'hui me disent, je ne comprends rien. Ils se retrouvent dans ma situation d'il y a 12 ans. Donc j'essaye, moi, énormément dans mon approche, de prendre des mots simples et d'expliquer les choses de façon non pas du tout technique, mais justement, quelle est la finalité et comment est-ce que c'est ça, du coup, qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, agent prévoyance patrimoine AXA, en fait, ça va me permettre de comprendre tout ce que je ne comprends pas aujourd'hui. Exactement. Et de mieux gérer personnellement, du coup. Exactement. Et de mieux gérer. Et puis, je suis partie il y a 12 ans, parce que dans ce réseau où je suis là, de prévoyance et patrimoine, au début, on démarre de zéro. Hein, il faut qu'on crée soi-même son patrimoine. Et donc, voilà. Et puis, au final, au bout de 12 ans, je suis très contente. J'ai 800 clients. Je n'ai pas fait la part d'hommes et de femmes dans ma clientèle.
Je pense que je suis à 50-50. Sincèrement, il n'y a pas plus d'hommes et de femmes, mais il y a des approches totalement différentes. Des approches différentes. Oui. Alors, pour qu'on comprenne bien, simplement, déjà, quand on parle d'épargne, puisqu'on va en parler évidemment aujourd'hui, de quoi parle-t-on véritablement ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de définir ce qu'on veut dire quand on parle d'épargne, parce que ce n'est pas forcément d'épargne qu'on a déjà constituée, comme disait Fanny, qui avait de l'argent et qui a pu l'utiliser lorsque vous avez monté votre société pour pouvoir en vivre dessus. En fait, quand je parle d'épargne, c'est soit la capacité d'épargne pour amener à des projets, soit une épargne que l'on a de disponible et dont on ne sait pas qu'en faire. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais chez un client qui est gérant de société, donc qui a de l'argent dans sa société, mais qui est disponible, et puis qui a de l'argent à titre personnel. Et en fait, il a plein de projets. Il me dit, alors soit je voudrais agrandir, parce que j'ai trois enfants et que c'est trop petit chez nous, donc je voudrais agrandir mon appartement, donc j'aurais peut-être acheté, mais je voudrais aussi éventuellement monter une nouvelle société, mais je voudrais aussi éventuellement payer les études des enfants. Donc voilà, donc en fait, l'idée, quand moi je parle d'épargne, c'est mettre en perspective toutes les étapes de vie que vous pouvez avoir entre aujourd'hui et la fin de votre vie, les choses gaies, les choses moins gaies, etc. Et puis pouvoir faire face en les préparant, etc. Je trouve que le bon exemple que nous avons eu, c'est le Covid. Parmi mes clients, moi, je milite pour l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est toujours avoir un peu d'épargne au cas où. Et là, je peux vous dire que certains de mes clients sont très investis, soit dans la pierre ou ce genre de choses. Et ceux qui n'ont pas eu d'épargne de précaution, là, par exemple, des médecins, des kinés, ce genre de choses, des dentistes qui, pendant 2 mois, n'ont pas eu du tout de revenus, ça a été, pour certains, très compliqué. Donc voilà, donc l'épargne, c'est difficile à définir. Si je comprends bien, en tout cas, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est difficile à définir parce qu'en fait, ça dépend de projets de vie totalement spécifiques, en fait, à tout un chacun. Exactement. Et justement, cette part d'individuel et de, entre guillemets, sur mesure, ça fait partie aussi donc, de l'accompagnement que vous proposez à vos clients. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment, rapidement, comment ça fonctionne, cet accompagnement ? Alors, je vais essayer de le faire rapidement parce qu'en fait, alors, on a une méthode dans notre réseau qui est une super méthode, vraiment, qui est quelque chose qui est là pour mettre à plat la situation du client et le mettre en perspective, justement. C'est ça qui est super intéressant. Et en plus, c'est un côté pédagogique. Donc, en fait, ça se déroule comme ça. Il y a une première partie où on va faire le point sur la situation civile de la personne. Donc, on va lui demander s'il est marié, pas marié, sous quel régime, s'il a des enfants, s'il est paxé. Ne serait-ce que ça, déjà, dès ce premier niveau, très souvent, je pose des questions aux personnes qui sont mariées, sous quel régime, et qu'ils en savent quelle est l'incidence. 99% des gens ne savent pas. Déjà, voilà, première information qui aide les clients à se resituer. Une fois qu'on a fait l'état comme ça civil et qu'on a placé la situation des personnes, après, je vais faire juste reprendre le parcours professionnel, savoir ce qui s'est passé dans le parcours professionnel, est-ce qu'ils ont été salariés, indépendants, entrepreneurs, etc. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre de voir au jour d'aujourd'hui déjà ce qu'ils ont acquis pour la retraite, parce que ça, c'est aussi un projet de vie, comment anticiper sa retraite, et ce qu'ils ont éventuellement acquis en tant que protection de prévoyance. Je parle de prévoyance, c'est Fanny, vous êtes patronne de votre société. Demain, vous glissez sur une peau de banane, vous ne pouvez plus travailler pendant 6 mois. Est-ce que la société peut marcher sans personne, enfin sans que vous soyez à la tête ? Est-ce que quelqu'un peut vous remplacer ? Est-ce que vous pouvez assurer vos revenus ? Voilà. C'est être protégé, en fait, protégé. C'est la protection financière, en fait, ce qu'on fait. Donc ça, déjà, on fait un point sur la retraite, donc c'est ça, et voilà, sur le parcours professionnel. Puis après, je rentre sur tout ce qui est patrimoine immobilier. Donc on rentre un peu dans les détails, les montages, etc., de ce qu'a le client. Puis après, l'épargne financière. Et là, on la structure en 3 grandes étapes. L'étape, ce que je vais appeler l'épargne de précaution. Donc, c'est l'argent dont on peut avoir besoin à court terme. Donc, ça va être le livret A et le LDD, en gros. Très, rendement très faible, 0,5%. Par contre, pas de fiscalité, pas de frais. Et après, on va aller plus sur de l'épargne financière que l'on va trouver dans des PEA ou des comptes-titres. Donc là, c'est les personnes très techniques, c'est les gens donc, qui PEA, suivent vraiment. Plan épargne d'action. Ouais, exactement, c'est ça. D'action. Et là, on va acheter des titres vifs, majoritairement de sociétés. Donc, c'est des gens qui s'intéressent vraiment et qui sont prêts à prendre des risques. Et l'argent que l'on met dans un compte-titre ou dans un PEA, c'est vraiment de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme, parce qu'on a vu des aléas de bourse qui peuvent être violentes. Et puis après, on va passer sur les autres sujets comme l'assurance vie, les produits de retraite par capitalisation. Donc, on fait vraiment tout un état des lieux et avec tout un côté éducation. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, ça me permet, moi, de mieux connaître le client et de pouvoir, justement, lui fixer des objectifs de vie. C'est ça. Donc, au mieux, lui indiquer donc, vers quel financement, quel investissement, quel
tout cas moyen d'investissement. Exactement. Aller. Donc c'est vraiment du sur-mesure, hein. On vient de le voir. Alors on va faire un petit saut en duplex à nouveau. Sachez juste, je le redis, vous qui nous regardez, vous pouvez toujours poser vos questions tout au long de ce live. On va en prendre certaines pour y répondre à la fin. Mais voilà, en attendant, on fait un petit tour par la Martinique où nous rejoignons en duplex Alice Zaguri, qui est chef d'entreprise et cofondatrice de The Family. Hello, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour Alice, on vous entend très bien. Donc okay. Alice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc comme je le disais, vous êtes chef d'entreprise, cofondatrice de The Family. Déjà, est-ce que vous avez est-ce que vous souhaitez dire quelque chose suite à ce premier échange entre nos deux invités ? J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci d'organiser cette émission. Je me faisais la réflexion qu'il y avait deux problèmes sur lesquels on était en train de mettre le doigt. C'était d'abord le rapport à l'argent. La crispation qu'il peut y avoir par rapport à tous ces sujets de finance. Donc on a parlé d'éducation et c'est vrai que le français en règle générale est assez loin sophistication financière que d'autres peuvent avoir. Et puis ensuite, évidemment, de la place des femmes dans une société qui reste encore inégalitaire, où voilà, aux instances de pouvoir, là où on prend la décision de pouvoir accorder ou non un prêt ou d'investir, il y a beaucoup moins de femmes, donc nécessairement il y a aussi moins de femmes qui peuvent en bénéficier. Ouais. Alors Alice, peut-être pour toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu The Family, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi vous l'avez créé ? Alors donc The Family est une société que j'ai créée il y a 8 ans avec deux associés, Nicolas Collin et Oussama Amar. Et notre mission, c'est d'accompagner des startups ambitieuses à réussir à l'échelle internationale, globale. Et pour ça, on offre de l'éducation, des outils et l'accès au capital à des startups. Hein. On parle de boîtes innovantes dans les nouvelles tech. Ça fait 8 ans et on a accompagné des boîtes peut-être que vous connaissez comme Itch, June, Doctrine, Merci Andy, Payfit, etc. J'en passe. Et vraiment, l'idée au départ, c'était de pouvoir offrir un environnement qui soit extrêmement favorable pour développer son ambition depuis la France. Quand on démarre, c'est depuis la France. Et très vite, en fait, on va aller à l'international. Et ça va beaucoup nous aider de dépasser les frontières juste françaises. Et notamment sur cette question de l'argent, pour nous, au tout départ, moi, on dit souvent, c'est le premier investisseur dans les entrepreneurs, c'est l'État, c'est-à-dire qu'on est au chômage quand on démarre. Et donc moi, au début de The Family, j'étais au chômage et j'ai été lever des fonds avec des business angels au tout début. Mais très vite, on a été voir des fonds d'investissement internationaux, en fait, pour se déployer. Ouais. Et ça, comment est-ce que vous l'avez vécu tout ça ? Est-ce que ça a été simple en tant qu'entrepreneur, en tant que femme ? Même question que je pose à toutes nos invitées. Alors, c'est vrai, aujourd'hui j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Quand on est la tête dans le guidon, on n'a pas trop envie de réaliser que c'est plus difficile, sinon on s'en sort pas. Mais c'est vrai que on est en tant que femme, on est la seule très souvent à beaucoup de réunions et de meetings. Je l'ai pas mal vécu. Après, c'est vrai que j'ai dû m'adapter et que je pense heureusement que j'avais deux associés hommes pour pouvoir lever des fonds. Ça, je suis convaincue que ça aurait été bien plus difficile s'ils n'avaient pas été là. Et la deuxième chose aussi, c'est que très vite, on a été à l'international où la prise de risque, c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir croire dans une société innovante qui n'a pas encore tout à fait ses preuves. La prise de risque était plus facile, on va dire, pour des investisseurs internationaux qui comprenaient ce qu'on était en train de faire. Alors, vous avez cité quelques noms de start-up que vous accompagnez. Et donc, parmi toutes ces start-up, il y a effectivement des start-up responsables, hein, on va dire, issues de l'économie sociale, solidaire. Et moi, je voulais savoir pourquoi c'est important pour vous d'accompagner ces start-up et puis aussi d'accompagner ces start-up responsables.
Alors, nous, on a vraiment une approche très pragmatique. On ne va jamais se permettre d'avoir un regard moral sur qui fait le bien et qui ne le ferait pas. Après, c'est vrai qu'on est humain et qu'on sera meilleur quand on se sent touché par les projets et par les personnalités qui entreprennent. Donc, les sujets qui nous tiennent à cœur sont les sujets qui vont venir résonner avec nos histoires personnelles, à nous les fondateurs. Donc, on va être, c'est sûr qu'on va être plus enclin à vouloir accompagner des projets qui vont dans le sens de l'écologie, qui vont dans le sens de plus de diversité, qui vont faire émerger des voix différentes. Mais on ne va pas le défendre en critères de sélection. C'est vraiment quelque chose qui va... En fait, on s'en rend compte a posteriori. Une fois que les sélections sont faites, on réalise que, bah, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées dans l'écologie. Mais c'est vraiment, on ne va pas l'afficher de prime abord. On le réalise a posteriori. Alors, dernière petite question, parce qu'on est déjà hors timing, mais j'avais envie que vous nous parliez rapidement du programme Gold Up, qui est un programme d'action, de sensibilisation des femmes à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot à ce sujet ? Ça rejoint la question de départ, c'est-à-dire que, en fait, s'il n'y a pas de femmes qui réussissent, s'il n'y a pas de femmes qui ont de l'argent, et s'il n'y a pas de femmes qui ont de l'argent, il n'y a pas de femmes qui investissent dans des projets de femmes. C'est assez basique comme raisonnement, mais le constat que j'ai fait au bout de 8 ans, c'est que même en étant une femme entrepreneur à la tête de The Family, je n'avais que 5% des dossiers de candidature qui étaient portés par des femmes. Donc c'est dramatique. Et puis on ne peut pas laisser faire les choses telles quelles parce que les entreprises d'aujourd'hui vont vraiment impacter la société de demain et elles l'impactent déjà quand on voit à quel point les startups, que ce soit je sais pas, Facebook ou WhatsApp, changent vos vies au quotidien en moins de 20 ans. Donc c'est pas possible, faut changer ça. Et philosophiquement en France, on va pas être très enclin à faire des programmes, on va dire, dédiés aux femmes. Souvent, hein, on n'aime pas séparer les programmes communautaires. Et j'ai voulu quand même sauter le pas et le faire. Donc on a créé Gold Up, qui est vraiment un bootcamp dédié aux femmes qui veulent se lancer, avec cette idée que peut-être que en réunissant les femmes entre elles, ce serait plus facile pour venir déposer des peurs qu'elles auraient en commun. Enfin, vraiment, j'y allais avec plein d'interrogations. Ça fait un an, on a accompagné 400 femmes. Et en fait, j'ai compris quelque chose. Moi, déjà, personnellement, ça m'a beaucoup aidé à prendre ce recul, comprendre comment je m'étais adaptée au milieu très masculin. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais surtout, j'ai compris que la sororité dans le business était possible, que ce n'était pas du tout... c'était très concret en fait, l'entraide entre femmes, elle est nécessaire. Et quand on entreprend, on est seul. Et le premier des besoins avant même l'argent, c'est la confiance en soi, c'est l'émulation, c'est le fait de tous les jours y retourner et d'avoir des bonnes idées et de se sentir soutenu. Et pour ça, je crois que ça a été hyper galvanisant pour moi et pour les femmes qu'on a accompagnées d'avoir un programme comme Gold Up. Et alors justement, Alice, si là, vraiment en deux mots, si on veut avoir plus d'informations sur Gold Up, on fait quoi? On se rend sur le site de The Family, on tape goldup.co. Goldup.co, très bien. Voilà. Bon, bah, c'est noté. Mille merci, Alice, d'avoir été en direct de la Martinique avec nous. Et à très bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci beaucoup. De retour à notre échange, je me tourne vers vous, Fanny Picard, puisqu'on a évoqué rapidement, on a parlé de start-up responsable et du coup, on va reparler d'investissement responsable et de fonds d'investissement responsable puisque vous avez fondé Alter Equity. C'est quoi votre métier concrètement en tant que fonds d'investissement ? Notre métier, in fine, c'est d'accompagner des entreprises en les finançant dans un premier temps, mais aussi en les aidant le mieux possible dans la définition et surtout la mise en œuvre de leur stratégie. Et puis malheureusement, à un moment, il faut que nous rendions l'argent qui nous a été confié à nos souscripteurs, donc nous revendons la participation. Et pour faire tout ça, il faut avoir levé des fonds et pour se faire connaître à la fois de nos souscripteurs et des entrepreneurs qui recherchent des fonds, il faut communiquer. Et entre-temps, il faut avoir structuré la société,
respecter la réglementation qui est applicable à notre métier. Nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers. C'est un métier qui a beaucoup de facettes. Et alors, du coup, pour qu'on comprenne bien, donc dans votre fonds d'investissement, qui peut investir? Est-ce que moi, je peux investir, par exemple? Alors, peut-être. et la question se rattache à ce que je viens d'évoquer, c'est que nous sommes réglementés par l'autorité des marchés financiers. Et dans ce contexte, il n'est possible d'investir dans le type de fonds que nous gérons que des montants au minimum de 100 000 euros. Et nous souhaitons, lorsqu'un investisseur investit chez nous, que l'investissement qu'il mobilise dans d'autres fonds ne représente pas l'intégralité de son patrimoine, car Elisabeth nous le redira ou nous le dirait, il est très important de diversifier le placement de son patrimoine. Donc, si vous disposez de plus probablement de 500 000 ou 1 million d'euros, alors vous serez très bienvenue à ce moment-là pour investir chez nous. C'est ça, on peut y aller. Au minimum. Et moi, je voulais savoir pourquoi c'est cette thématique de l'investissement responsable, c'était une thématique importante pour vous. La question du bien commun, de l'intérêt général, ce qu'on appelle aujourd'hui le sens, a toujours été au cœur de ma construction personnelle. Et je ne doute pas que ça puisse sembler un peu romanesque, mais je fais partie des gens pour lesquels ma vie fera du sens, au-delà du fait d'apporter du bonheur à celles et ceux qui m'entourent. Mais la manière dont je viens de le formuler est intéressante, que si j'apporte à la collectivité. Voilà, c'est très important pour moi que ma vie soit utile à d'autres. Quand j'étais jeune, je voulais m'engager en politique. Et je me suis présentée aux élections municipales de 1995 en tête de liste. Je me suis assez vite rendu compte que je n'étais absolument pas faite pour ce métier, parce que je suis beaucoup trop tendre, notamment, il y a probablement d'autres raisons également. Voilà, c'est vous dire que je suis attirée par cette idée d'intérêt général. Et puis, j'ai eu tout un parcours professionnel que j'évoquais rapidement tout à l'heure. J'ai aussi travaillé chez Danone dans ce qu'on appelle les fusions-acquisitions avec Emmanuel Faber, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, qui m'avait recruté pour travailler avec lui. J'ai été directeur des opérations financières de Wendel, qui est la plus grosse société d'investissement cotée en bourse en France. Et je me suis rendu compte pendant ce parcours professionnel passionnant que cette notion de responsabilité qui est très importante pour moi était peu mise en place dans ce métier d'investisseur qui est devenu le mien, et j'ai eu envie de construire ce qui n'existait pas, c'est-à-dire un fonds d'investissement qui utilise son métier d'investisseur pour servir la collectivité, servir le bien commun. Et on a construit ce modèle qui est aujourd'hui retenu par un certain nombre d'autres fonds dans ce qu'on appelle maintenant l'impact, qui consiste à investir dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles à l'intérêt général, sont utiles aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part. Alors, utiles aux personnes, ce sont des métiers comme l'éducation, la culture, la santé, le bien-être, les produits bio, la consommation responsable, les services aux personnes fragiles et la transition vers une société plus durable et plus inclusive. Et puis, ou des métiers à impact positif sur l'environnement. Et là, nous nous intéressons à des entreprises dont les produits ou services apportent des solutions aux grands enjeux environnementaux contemporains qui sont pour nous le dérèglement climatique, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, les questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols et d'accès à l'eau. Voilà. Donc ça, ce sont le type d'activités auxquelles nous nous intéressons. Et puis, en plus de ça, nous avons, depuis l'origine, posé comme condition pour investir dans une entreprise qu'elle progresse dans ses pratiques de gestion, dans la manière dont elle gère ses salariés, la nature, ses fournisseurs, ses clients, ses parties prenantes, ses territoires d'implantation. Et donc, nous exigeons, pour investir dans une entreprise, qu'elle adopte un plan d'action en termes de RSE, que nous appelons business plan extra-financier. Ouais. Et est-ce qu'à l'époque du lancement d'Alter Equity, vous sentiez qu'il y avait un engouement particulier autour de ces questions ? Pas du tout. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet en 2007, nous étions en avance de phase. Les marchés n'étaient aucunement prêts. Les investisseurs, en tout cas institutionnels, nous ont tous dit, ou presque, que puisque nous cherchions à être responsables, nous serions nécessairement moins rentables que nos confrères, et que c'est donc
plutôt chez eux qu'ils allaient investir. Le marché n'était absolument pas prêt. Aujourd'hui, les choses ont heureusement... Oui. C'est hyper intéressant ce que vous dites effectivement sur l'aspect est-ce que parce que c'est responsable, ça n'est pas rentable. On va en reparler d'ailleurs. Mmh. Mais depuis, en tout cas, les choses ont quand même évolué puisque l'intérêt pour le responsable est croissant. Mmh. On a tous envie, vous et moi ici, et probablement vous qui nous regardez, d'un monde plus respectueux, plus propre et encore plus à l'aune de la période que l'on vient de vivre. En tout cas, pour revenir à cette question de l'investissement, donc si on a une grosse fortune, on peut investir chez Alter Equity, chez vous, Fanny Picard. On peut aussi décider donc de se tourner vers d'autres personnes, comme par exemple AXA, des personnes qui sont en connaissance de toutes ces choses-là techniques, un petit peu que nous ne savons pas forcément. Et du coup, je me tourne vers vous, Elisabeth de Rotalier, parce qu'on a parlé de ces fonds, donc du coup, responsables, fonds d'investissement responsables, mais chez AXA, il y a aussi la possibilité de placer son argent dans des fonds que l'on appelle ESG. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est, du coup, exactement? Est-ce que ça fonctionne pareil qu'un fonds d'investissement comme celui de Fanny Picard? Oui, alors Fanny, en fait, elle a donné la définition de ce que c'est qu'un fonds ESG. Hein. Un fonds ESG, c'est un fonds qui correspond à des critères environnementaux, sociaux et économiques, hein, en fait, hein, donc, et de gouvernance. Mais tout ça, bien sûr, avec une logique économique. Donc, en effet, pareil, chez AXA, et maintenant, tous les fonds qui vont sortir de chez AXA, là, ces derniers temps, sont tous, dans une logique ESG. Donc, dans cette logique où, justement, on va passer en critères, exactement ce qu'expliquait Fanny, tous les critères environnementaux, tous les critères sociaux, donc de gestion des salariés, de formation, de politique sociale, et puis tous les aussi critères de gouvernance, hein, pour voir en effet comment se passe, est-ce qu'elle est l'éthique de la société, comment il se prépare par rapport, par exemple, à des cyberattaques ou ce genre de choses. Donc, le système ESG, la définition de ces critères ESG, en fait, tout le monde les utilise aujourd'hui. De toute façon, il y a un jargon dans ce métier du développement durable où plus personne ne comprend plus rien. Enfin bon, en tout cas, il faut essayer de simplifier les choses. Chaque ça, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'on fonctionne? En fait, on a un département qui est complètement spécialisé dans le domaine de la gestion des fonds et de la définition des fonds. Et eux, ils ont défini des critères ESG pour les fonds que l'on va prendre chez nous. Hein. Donc, en fait, il n'existe pas en fait, de critères ESG qui soient transversaux à tous les domaines d'investisseurs, à tous les investisseurs. Hein. Chacun a sa propre règle. Et vous le disiez très bien, vous, Fanny, vous avez défini des critères pour chez vous. AXA, pour ses fonds, a défini des propres critères. Les fonds passent dans une moulinette pour pouvoir voir un petit peu arriver à un scoring. Et de là, AXA va garder ou rejeter des fonds. On est, nous, ce qu'on appelle une architecture ouverte. C'est un peu du jargon technique. L'architecture ouverte, ça veut dire qu'on aura des fonds propres à AXA et on va aller aussi en chercher à l'extérieur. On va aller en chercher chez Rothschild, chez JP Morgan, etc. Tous doivent répondre justement à ce critère ESG qui a été défini dans le scoring d'AXA. Après ça, on va s'appuyer aussi sur autre chose. Il y a des labels qui existent sur maintenant, qui ont été soit faits en France, soit en Europe, soit mondiaux. Ce qu'on connaît beaucoup plus en France, ça va être le label ISR, hein, l'investissement social. Ça, c'est des labels pour les fonds ou pour les entreprises? C'est pour les fonds. C'est pour les fonds. Voilà. Ce sont les entreprises, je pense que c'est plus ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Fanny, c'est tout ce qui est RSE. Hein, donc voilà. Pour les fonds, ça va être le label ISR. Donc qui veut dire quoi? Le label ISR, c'est qu'on a la garantie que les fonds qui sont labellisés ISR répondent à ces engagements ESG, avec vraiment en plus un côté financier qui est bien aussi suivi et traqué. C'est pas uniquement investir dans quelque chose autre. Il y a un autre fonds qui s'appelle, que l'on connaît aussi un peu plus, qui s'appelle le Greenfin. Greenfin, ce sont les fonds verts, donc c'est pour les sociétés qui veulent aller sur l'univers plutôt de l'écologie. Hein. Et puis après, il y a un dernier fonds qui s'appelle Finansol, qui est beaucoup plus... un label, excusez-moi, qui s'appelle Finansol et qui, lui, est beaucoup plus pour tout ce qui est solidaire, économie solidaire. Donc voilà, AXA, après, va pouvoir aussi, une fois qu'il a scoré ses scores ESG, aller chercher les fonds qui, en plus, ont des labels. Oui. On ces labels parce que ça donne une réassurance, quand même, hein, pour le client final. Et en dernière finalité... Comme AXA s'est engagé déjà depuis plusieurs années sur ce qui est justement ce côté RSE, ce côté environnemental, etc., social, ils se sont mis, chez AXA, on s'est mis des objectifs du style
on ne veut plus avoir de fonds qui investissent dans le charbon à concurrence de 2040. Je ne pourrais plus vous dire le détail de tous les objectifs, mais on veut investir dans des fonds solidaires, deux fois plus d'investissements d'ici la fin d'année 2023. Donc il y a des critères qui ont été faits, et donc on a créé un label chez AXA qui s'appelle donc l'épargne citoyenne, qui permet, alors vous allez me dire, on va se noter nous-mêmes. Eh bien non, en fait, on a quand même des audits extérieurs. Mmh. Ça sera Ernst & Young qui vont bien sûr passer qui tous les critères, qui vont noter si par rapport à ce label et à nos engagements, on est bien cohérent. Et donc, tous les fonds AXA, en fait, maintenant, ils, bien sûr, ils coexisteront encore des anciens fonds qui ne sont pas forcément ESG, mais tous les fonds vont répondre à ce besoin qu'on voit partout maintenant. Mais alors, justement, du coup, concrètement, moi, voilà, je viens vous voir en vous disant, j'aimerais bien, j'ai de l'épargne à placer, j'ai de l'argent à placer, j'aimerais beaucoup placer mon argent dans ces fonds-là. Comment ça fonctionne, en fait, pour moi, qui pour le coup, n'y connais rien, mais qui ait cette envie-là, en tout cas, de placer mon argent dans ces fonds C'est très simple, en fait. Donc, je vous parlais tout à l'heure du bilan social et patrimonial qu'on faisait. Donc, je n'ai pas été jusqu'au bout de l'histoire, mais une fois qu'on a fait un audit, on définit avec le client les objectifs. Donc, si je prends votre cas, jeune femme, enceinte, excusez-moi, je dévoile peut-être des choses, premier enfant, si j'ai bien compris. Voilà, vous pourriez me dire, j'ai une épargne disponible ou j'ai la capacité d'épargne. Il y a deux choses. Vous pouvez avoir une épargne déjà disponible et puis vous pouvez avoir aussi sur vos revenus la capacité d'épargne pour faire une épargne progressive. Donc, on va définir ensemble des objectifs. Il y en a qui sont déjà assez visibles, du style, vous allez peut-être déménager quand vous aurez un deuxième ou troisième enfant. Donc, c'est peut-être à échéance de 3, 4, 5 ans. Vos enfants à naître, vous allez peut-être vouloir les accompagner dans les études. Donc, peut-être créer déjà une épargne, etc. Donc là, c'est plutôt à échéance 18, 20 ans. La retraite, il faudra la préparer. Donc, on va définir ensemble des étapes et des étapes de vie sur lesquelles vous allez avoir besoin d'une épargne supplémentaire. Et là, on va mettre les solutions. Donc, majoritairement, dans le cas avec les fonds, ça va être hébergé au sein des assurances-vie. Donc l'assurance vie, c'est un véhicule financier qui permet d'héberger à l'intérieur dans lequel on fait de l'épargne. Et on va avoir plein de fonds différents. Il y a des dizaines de fonds dans les assurances vie qu'on propose. Ou ça va être dans des solutions de retraite, des retraites par capitalisation. Donc si vous me dites aujourd'hui, j'ai X milliers d'euros à épargner. Et en fait, les objectifs qui m'intéressent, c'est dans très peu de temps acheter ma maison, mais surtout m'occuper de mes enfants. Et on va dispatcher votre épargne en fonction de ces objectifs. Et on va aller... Mais on aura la solution. Oui, d'accord, très bien. Et alors, dernière petite question avant de rejoindre à nouveau une entrepreneur responsable en duplex. Vous disiez tout à l'heure, Fanny Picard, qu'il y avait cette question-là, cette opposition, on va dire, entre le responsable et le rentable. Non. Et du coup, je vous pose la question à toutes les deux. Quelle est la réponse? Est-ce que, parce que c'est responsable, ce n'est pas rentable? Eh bien non. Eh bien non. Merci Fanny. En fait, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi, j'avais totalement cette idée et c'est encore le cas. On l'entend très souvent. Beaucoup de gens qui le pensent. Bien sûr. Et je vois. Et pourtant, cette question-là est différente, posée par une femme et un homme. Une femme, elle ne va pas poser forcément, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à la rentabilité, mais elle ne va pas forcément poser cette question. Un homme, ça va être la question. 2020, chez AXA, ça a été vraiment flagrant. Il y a un fonds qui a été créé il y a 2 ans, qui est complètement ESG. 2020, on a vu quand même que les marchés financiers mondiaux se sont pris plein la figure. Donc, c'est bien remonté aux États-Unis et en Asie, mais l'Europe et la France ont été en retard, vraiment très en retard. Eh bien, notre fonds ESG a été bien plus performant que les fonds classique. Donc finalement, vous confirmez du coup, Fanny, j'imagine que oui, c'est votre cœur de métier. Absolument. Les fonds ESG ont démontré cette année, pendant le confinement, qu'ils résistaient beaucoup mieux que les fonds classiques. Ils ont eu plus de croissance pendant les phases de croissance, plus de progression de cours et moins de baisse pendant les périodes où les marchés se sont effondrés. Donc on voit que d'ailleurs, pour les financiers, alors ça, ce sont les financières parmi nos auditrices qui comprendront peut-être mieux ce que je veux dire, mais les financiers considèrent que pour avoir plus de rendement, il faut prendre plus de risques. Et là, ce que l'on voit avec les fonds ESG, c'est que ça contredit la théorie financière classique. Mais bon, on va peut-être rendre un petit peu trop de technique, mais en fait, ils sont à la fois plus rentables et moins risqués. Oui, donc finalement, effectivement, c'est très clair. C'est en fait des fonds vertueux, en fait. Il y a une espèce de système vertueux qui s'est installé dans le... vertueux. Merci beaucoup à toutes les deux. On va revenir à vous pour les questions-réponses après un duplex en direct de la Savoie, où nous retrouvons Émilie Vilquez, qui est la fondatrice de Skitech. Bonjour Émilie.
Bonjour Marie-Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est bien ça, vous êtes en direct de la Savoie, hein. Je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, et on a eu pas mal de neige récemment, et du coup ça fait lien directement avec la mission de SkiTech qui répond à l'un des enjeux environnementaux qu'on voit particulièrement dans nos zones de montagne, c'est la gestion des skis déchets. Puisqu'on se pose rarement la question une fois qu'on a skié de ce que deviennent nos skis. Il faut savoir qu'environ un demi-million de skis sont jetés chaque année, en tout cas avant période Covid. On verra ce que ça donnera pour la suite. Et donc la mission de SkiTech, dont je ne suis pas du tout l'une la seule fondatrice, hein, on est une coopérative, donc c'est vraiment un projet collectif, on est plusieurs porteurs et on va dire du coup plusieurs cofondateurs engagés dans ce projet. La mission de SkiTech, c'est de transformer du coup les skis usagés soit en petites structures architecturales, donc ça va être par exemple des hangars à vélo, des petits hangars de stockage, des ombrières photovoltaïques, ou les transformer aussi en mobilier, aussi bien pour votre intérieur et votre salon que pour du mobilier urbain dans les stations de ski par exemple. Donc vous avez toujours eu un engagement responsable, puisque Émilie, vous avez aussi fondé Pro Bono Lab, et puis même encore avant, quand vous étiez, je crois que vous aviez 18 ans, vous avez aussi monté une association, enfin vous avez vraiment un engagement qui remonte. Pourquoi c'est important pour vous ? Je pense que voilà, ça résonne pas mal avec les mots qu'a eu Fanny sur cette volonté en fait d'autour d'elle d'avoir un impact positif. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup dans mon parcours. Cette volonté aussi de trouver sa place à un endroit où on se sent vraiment utile et on se dit qu'on apporte entre guillemets la pièce manquante du puzzle et ça fait que le puzzle est complet et qu'il a du sens et qu'il fonctionne. Et c'est ça moi qui m'attire beaucoup dans les différentes missions et les défis on va dire que je me lance ou que je lance avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, étant en Savoie depuis 3 ans, pour moi c'était une problématique de territoire sur laquelle il fallait agir et je sentais que voilà, j'avais un peu cette pièce manquante du puzzle que je pouvais apporter et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce défi-là. Aujourd'hui, vous êtes en pleine levée de fonds. Racontez-nous. Effectivement, alors c'est une nouvelle aventure pour moi parce qu'avant j'étais sous forme associative. Pour l'instant, on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Alors il faut savoir que pour les entreprises qui ont une certaine existence, il y a pas mal de choses qu'on peut avancer pour prouver aux gens que ça marche, qu'on a du chiffre d'affaires, etc. Je dirais que là, en création, ce qui va compter, c'est pour les personnes qui, du coup, apportent de l'argent, soit sous forme de capital ou de titre participatif, c'est d'une part la cause, savoir si ça résonne, en fait, un peu avec leur expérience, leur histoire. Et ça, c'est quelque chose dont Alice Laguerie nous parlait tout à l'heure. Et on se rend compte que, même si, effectivement, c'est pas quelque chose forcément de pensé et mis en avant, on se rend compte que les gens nous disent « Ah bah oui, nous, l'écologie, ça nous parle. » Donc, effectivement, ça a du sens. Le deuxième point qui fait que les gens investissent, c'est l'équipe et de se dire que les personnes qui portent ce projet aujourd'hui ont à la fois la formation et l'expérience aussi nécessaire pour mener à bien ce projet. Puis enfin, c'est des produits dans lesquels on croit. Alors, on ne sait pas encore le chiffre d'affaires qu'on va réaliser sur les 3 prochaines années, mais on a des produits qui arrivent à convaincre les personnes, qui ont du style, qui parlent. Voilà, le ski, ça apporte forcément un design assez original, qui plaît beaucoup, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les zones de montagne. Et puis, c'est aussi un pari un peu fou et qui plaît voilà, à certaines personnes de se dire « Ah, mais en fait, les skis ne servent pas qu'à skier, on peut aussi fabriquer et construire avec. » Et c'est aussi pour ça qu'on a cet investissement de la part de personnes qui se disent « Bah voilà, mon épargne, elle peut être utile à d'autres, elle peut être utile sur un projet. » Et là, je vois plus de sens que de la mettre quelquefois sur... D'autres financements plus classiques. Et ça ne m'étonne pas du tout les retours d'Elisabeth et de Fanny sur le fait que l'investissement responsable commence à booster ces derniers temps. Et alors du coup, je vais vous poser la même question que j'ai posée à toutes les autres intervenantes. Est-ce que ça a été difficile pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que femme ? Alors c'est vrai qu'au début de mon parcours, moi c'était surtout la jeunesse qui frappait beaucoup mes interlocuteurs et on m'interrogeait souvent sur le fait est-ce que la jeunesse c'est une entre guillemets une tare et un inconvénient. Moi je l'ai surtout perçu comme un avantage, mais je me suis rendu compte effectivement après 10 années d'entrepreneuriat et de développement de projet que c'était pas vraiment la question de la jeunesse pour moi qui s'était posée, mais plutôt effectivement la question d'être une femme. Et oui, ça change pas mal de choses et là on pourrait faire le monde en une heure et discuter aussi bien des schémas professionnels, personnels, de plein de choses qui sont ancrées pas mal
dans les pensées, les préjugés, et notamment des femmes elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire et à reconstruire. Et donc l'initiative Gold Up de la part de The Family, je trouve ça vraiment génial. Et oui, qu'on soit dans l'investissement ou en général dans des postes à responsabilité dans des entreprises, et même à postes à responsabilité, je pense en politique, parce que Fanny l'avait évoqué. Voilà, je pense qu'on se heurte surtout à des préjugés et des schémas quelquefois dont les personnes n'ont pas conscience. Et du coup, c'est de l'énergie supplémentaire, parce qu'en fait, avant de construire des choses avec nos interlocuteurs, on doit quelquefois déconstruire pas mal de choses. Donc oui, c'est clairement un impact sur les parcours de carrière et même de vie. Alors, Émilie, merci beaucoup. Si on veut retrouver Skitech et toutes vos actualités, vous suivre, peut-être vous supporter, comment on fait ? Alors, Skitech, ça s'écrit S-K-I-T-E-C, et donc disponible sur skitech.fr et sur LinkedIn. Très bien. Merci beaucoup, Émilie, et bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Alors, pour vous qui nous regardez, ne partez pas, puisque nous allons prendre le temps de répondre avec Elisabeth et Fanny aux questions que vous vous posez et que vous nous avez posées. Donc, on n'aura malheureusement pas le temps de répondre à absolument tout, mais voilà, on va essayer de faire le tour. Première question. Donc, je n'y connais rien en investissement. Comment savoir sur quoi, combien et quand investir ? Y a-t-il des questions ? Type à se poser pour y répondre. Elisabeth, Fanny, je ne sais pas qui de vous deux veut répondre à cette question. Elisabeth ? Alors, j'allais dire oui, bien sûr, il y a tout un état des lieux à faire. Hein, ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, là, ce que je propose, c'est la méthode de travail qu'on a chez AXA, hein, c'est-à-dire mettre en fait à plat la situation, expliquer de façon simple, en fonction d'objectifs, quelles sont les solutions faisables. Donc, bien sûr, c'est notre rôle à nous, en tout cas mon rôle à moi, c'est de rendre accessible cet univers que les personnes connaissent mal, et pour que vous puissiez, vous, être maître derrière, après, de vos investissements et de vos choix, que vous compreniez enfin où vous mettez votre argent et à quoi ça sert. Donc, bien sûr, et le bilan que l'on propose est une très bonne solution pour répondre à ces questions. Ouais. Fanny, vous voulez ajouter quelque chose ou ça vous semble... Oui, non, je voudrais juste dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me semble que la première et la principale question à se poser, c'est qui peut m'aider ? Parce que je crois que, sauf à être particulièrement pointu sur ces sujets, il faut absolument se faire aider. Très bien. Autre question, quels sont les types d'investissements financiers qu'une jeune femme peut réaliser dès le début de sa carrière professionnelle ? Mesdames. Peut-être en s'étant fait aider un investissement diversifié, et en tout cas, à minima, ouvrir un contrat d'assurance vie et investir peut-être sur des supports qui ne seraient pas trop risqués, qui seraient assez génériques, des indices. Mais encore une fois, je pense que la bonne chose à faire, c'est de se rapprocher de personnes qui pourront vous aider. Oui, mais parce que c'est intéressant de le dire, en tout cas, qu'on peut investir en début de carrière professionnelle. Il n'y a pas à attendre et forcément. C'est intéressant. C'est ce qu'on disait, bien sûr, parce que l'argent qu'on va placer quand on a 25 ans, si par exemple c'est dans un projet long terme qui est, par exemple, préparer sa retraite ou un projet, eh bien, il va avoir le temps de faire des petits. Alors que, par exemple, si je prends le cas de la retraite, moi, j'ai beaucoup trop de personnes qui me disent, arriver à 55 ans, ça serait, ou 60 ans, bon, je suis à la retraite dans 10 ans, maintenant, il va falloir que je m'en occupe. Je peux vous dire que je fais de l'apprentissage auprès des jeunes en leur disant, mais vous mettez une petite pièce au début quand vous avez 25 ou 30 ans, elle a 35 ans devant elle pour produire. Et les investissements, justement, ESG, l'intérêt, c'est que c'est du long terme. Hein. C'est vraiment des investissements qui sont sur du long terme. Donc, ce sont l'assurance vie et la retraite, les parfaits supports pour pouvoir accompagner à ce moment-là. Quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de petit investissement au départ. Il n'y a pas. Le plus petit investissement pourra fructifier avec les années. Ensuite, troisième question, comment investir sans contracter de crédit ? Alors ça, c'est une question qui va très bien avec la précédente, parce que quand on est jeune et en début de carrière, finalement, on n'a pas forcément la somme nécessaire. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on est obligé de contracter un crédit ? Ah non ? Non, on n'est pas obligé de contracter un crédit. Mais par contre, il faut, si on ne contracte pas de crédit,
Il faut pouvoir économiser un petit peu sur ses revenus, ouais, pour pouvoir investir. Ouais, exactement, c'est exactement ce que vous dites. Alors si j'allais dire contracter un crédit, ça serait pour acheter un bien immobilier. Alors ça, en effet, ça, c'est, on n'a pas parlé de l'immobilier, mais l'immobilier, ça fait bien sûr partie de l'épargne indispensable. Et c'est, j'allais dire, le premier investissement qu'on devrait faire. Et moi, j'ai des clients qui épargnent des 100 euros par mois, quoi. Donc en effet, comme dit Fanny, sur son revenu, on peut grignoter, surtout en période de Covid, où il y a beaucoup moins de sorties, hein, et beaucoup moins de dépenses, on va dire. Voilà, non, mais il faut le plus tôt possible commencer à mettre de l'argent de côté. Et même, vous parliez de l'investissement immobilier, mais il faut toujours, enfin, en tout cas, c'est recommandé d'avoir un apport. Et pour constituer cet apport, en général, c'est par l'épargne que ça passe. C'est voilà, ces centaines d'euros qu'on va mettre de côté. Petit à petit. Ouais. Et il est plus facile d'emprunter quand on est jeune que quand on l'est moins. Donc c'est important, quand on est jeune, d'utiliser cette capacité, on ne se rend pas forcément compte, pour investir dans l'immobilier ou éventuellement pour investir. Bon, ça fait prendre des risques, il faut savoir mesurer. Mais enfin, ça fait beaucoup de sens de se poser cette question de l'emprunt plutôt plus jeune que plus tard. Oui, c'est vrai qu'avec les intérêts qui deviennent plus conséquents, plus on attend, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que si on emprunte sur 20 ans à 50 ans, le problème, c'est que vous allez devoir partir à la retraite entre-temps, donc vos revenus vont significativement baisser, donc vous n'allez pas du tout pouvoir emprunter autant. Donc, il vaut mieux le faire tôt. Alors, on a une question encore. Quelles sont les premières étapes pour lancer son business quand, comme moi, on n'a pas un euro? Donc, c'est bien parce que vous avez, vous êtes toutes les deux lancées, donc vous allez toutes les deux pouvoir nous partager peut-être votre avis sur voilà, comment on se lance. Est-ce qu'on peut se lancer quand on a... quand on n'a pas d'investissement de départ, et comment on peut faire? Fanny, vous voulez commencer? C'est-à-dire que si vous avez besoin de payer votre logement, de payer votre alimentation, que vous n'êtes pas, comme Alice Aguri l'évoquait, bénéficiaire d'allocation chômage, et que vous devez vous lancer dans une activité non rémunérée, c'est quand même très compliqué. Donc il faut soit avoir justement un petit peu épargné pour pouvoir financer son train de vie, soit trouver des business angels qui vont trouver votre idée absolument géniale et vous aider à la financer. Et ça arrive, ça existe. J'ai rencontré encore ce matin des dirigeants qui venaient de lever 80 000 euros de la part de business angels pour les accompagner dans ce qui n'est encore qu'une idée. Il y a aussi des plateformes participatives qui financent des projets. Voilà, donc il existe des solutions. Mais c'est vrai que si vous n'avez aucun revenu et aucune économie, c'est un petit peu, et pas les allocations chômage, c'est un petit peu plus difficile. Oui. Surtout que ça va créer un stress supplémentaire. C'est-à-dire que quand on lance une activité, enfin je pense que Fanny, pareil, il faut qu'on ait une certaine sérénité. Donc s'il n'y a pas du tout d'argent de côté ou de chômage qui vous accompagne, ça vous met une pression sur le résultat de votre entreprise qui peut vous être négative en fait. Ça va vous donner une pression négative. Donc bon, après, il y a des métiers où on peut démarrer sans épargne. Oui, où il n'y a pas besoin d'investissement, forcément de départ. Mais en tout cas, ce qu'on retient de ce que vous venez de nous dire, c'est que compliqué. Il faut dans tous les cas avoir une idée de financement. Si on n'a pas le financement tout de suite, il faut avoir une idée de comment on va se financer. Donc, financement participatif, comme vous le disiez, aller voir des business angels, peut-être aller voir des incubateurs aussi, quand on a une idée, en tout cas, qu'on pense être intéressante. On a une autre question qui arrive. On parle d'épargne, mais est-ce que l'épargne retraite peut aussi être responsable, Elisabeth? Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a peut-être pas été très très clair. Les fameux fonds ESG que l'on propose, on les trouve dans les assurances vie et dans la retraite par capitalisation. Donc en effet, tout à fait, mais nos fonds chez AXA sont ESG, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames, je crois qu'on a fait un bon tour du sujet. Donc, ce live va se terminer. Mais avant que vous nous quittiez, vous qui nous regardez, si le sujet vous a plu, si le live vous a intéressé, sachez qu'AXA vous offre un bilan sur mesure. Donc, on en a parlé avec Elisabeth de Rotalier. Un bilan complet avec des conseils personnalisés pour vous aider à financer vos projets, mais aussi à pérenniser votre patrimoine. Et pour bénéficier de ce bilan, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez coché la case en vous inscrivant sur le formulaire d'inscription sur leel.fr, et si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave du tout, vous pouvez retourner sur le formulaire d'inscription et cocher à nouveau la case, ce qui permettra à AXA de vous recontacter en fonction de la région où vous vous trouvez.
Un grand merci à vous deux, Fanny Picard et Elisabeth de Rotalier, d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis pour vos précieux témoignages et conseils. Et également, merci à nos invités, nos trois invités en duplex et bien sûr à vous toutes qui nous avez suivis. Sachez que ce live sera disponible en replay et en accès libre sur le site du L.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.